Good morgen, Aleïden, et si vous rejoignez le Lunishmat, Rachamim Ben Rosa Chayabet Tova, ainsi que le Fouad Refel, Zvulun Ben Chayamalia, Miriam Matrasida, Dov Ben Yehudit, Sarabat Vitirivka, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi de nos prochaines études de Mishnah, connectez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Bechorot, Perek Aleph Mishnah, Hey, En Podin, Loba Egel, Veloba Chaya, Veloba Shechuta, Veloba Tereifa, Veloba Kilaim, Veloba Koy. Abelazar Matir Bakilaim, Mipene Shehuse, ועושה הרבה כוי מפני שהוא ספק. נתנו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו, עד שיפריש סי תחתיו. משנה relativement simple, mais qu'en fait, il y a une halakha qui se trouve dans la Gemara, dans cette sugya, qui donne une toute autre allure à la Mishnah, je m'explique. On a dit que lorsqu'on a un âne qui naît, alors un nouveau-né âne qui est un aîné, c'est le premier, l'ouverture de la matrice, mâle, alors il y a une gdoucha sur cette âme. La Torah, au sens simple, elle nous a laissé deux options. De racheter la gdoucha, la sainteté de l'animal, de l'âne, sur un mouton. Ouais, un mouton, quand je dis un mouton, c'est un C. Un mouton ou bien une petite chèvre, ou une chèvre, et le prendre et le donner au Kohen. Maintenant, on avait expliqué aussi que ce mouton ou cette chèvre, ils n'ont pas de sainteté particulière. Tout le monde, même un Israël, peut le consommer. Le Kohen, une fois qu'il le reçoit, il peut en faire ce qu'il veut. Ok ? Donc la première option, donc, c'est le rachat et de donner au Kohen. Deuxième option que la Torah a laissée, c'est de prendre comme on verra dans une prochaine Mishnah, Zayin, de prendre une hache et de lui varafto, lui faire la harifat harifa. On lui brise la nuque. Je crois que ça se dit en français. On l'énuque. D'accord, c'est qu'on lui brise le nuque en tout cas avec une hache. Deux solutions. Maintenant, lorsque la Torah nous dit de prendre un mouton, alors elle nous a dit c'est un mouton. On avait appris que ça implique la famille des Ksavim, des Kvasim et des Izim. Des moutons et en fait des chèvres. C'est la même famille. Maintenant, il y a une originalité dans cette halakha. Parce qu'un âne, ça peut coûter peut-être 10 000 shekels. Alors qu'un mouton, ça coûte 2 000 shekels. Malgré tout, la Torah l'a dit, si tu veux, tu peux le racheter. La Torah est venue me permettre quelque part de racheter quelque chose de grande valeur sur un petit mouton. Il y a une halakha qui n'est pas mentionnée dans les Mishnayot, qui se trouve que dans la Gemara, et rapportant aussi dans le Shulchan Aruch aussi, dans Siman Shin Chafalef. C'est dans Yoredea Shin Chafalef, c'est là-bas où on parle des halakhot de Peter Chabor. Et il y a une halakha que, sache qu'en réalité, si tu veux, tu peux racheter ton âne avec n'importe quoi, mais à condition de lui donner la vraie contre-valeur. Si toutefois tu veux maintenant en profiter d'une grande réduction, tu pourras amener le mouton et le racheter, quel que sera le prix. Vous avez compris? C'est-à-dire, en réalité, on va prendre la Mishnah, on va te préciser sur quoi exactement tu dois racheter. Tu dois racheter sur un mouton et pas sur autre chose, sur un petit veau et sur tout ce qu'on va évoquer. Mais ça, c'est que par rapport au chidouche de la Torah, de pouvoir racheter la gdoucha sur quelque chose d'une valeur inférieure. Mais si toutefois tu vas racheter contre la contre-valeur, tu peux même avec des stylos, si tu veux. Ouais, tu prends des stylos comme ça, une valeur de 10 000 shekels de stylo, tu prends et tu transfères la gdoucha sur les stylos. Donc ça y est, maintenant tu as libéré la gdoucha de l'âne, il devient permis à ton utilisation, si tu veux. Et cette valeur de 10 000 shekels de stylo, tu la donnes maintenant au Kohen. Tout ce qu'on a, et tout ce que la Torah a donné, elle a insisté à ce que tu rachètes sur un mouton, c'est uniquement lorsque tu veux profiter de la super réduction. D'accord? Tu veux quel que soit le prix de l'âne, quel que soit le prix du mouton, tant que c'est un mouton. Et donc, par rapport à cette halakha particulière, la Mishnah vient mentionner. En podin, loba egel, tu ne rachèteras pas ton âne, loba egel, ni par un veau, donc le petit de la vache, c'est les bovins, velo bachaya, et tu ne rachèteras pas par un animal sauvage. D'accord, ça peut être une gazelle ou les bambis, enfin les cerfs, un cerf, quelque chose comme ça. Tu pourras pas racheter avec eux. La Torah l'a cité avec un C. Idem encore, velo bashechuta. Et non plus, pas même non plus avec un mouton que tu as déjà égorgé. Tu as déjà fait la shrita. Permis à la consommation. Ah, tu vas me dire, ouais, tu transformes la gdoucha sur un mouton qui s'appelle forcément égorger. Non, la Torah l'a cité sur un mouton qui gambade. Ou une chèvre qui gambade. D'accord ? Et pas égorgé. Mais comme ce qu'on a précisé, c'est qu'à condition que la valeur,
elle soit inférieure au mot Alan, parce que si la valeur elle est égale à Alan, et bien si tu veux, tu pourras racheter comme je l'ai expliqué. Velo batrefa, et tu ne rachèteras pas non plus par un mouton qui est taref. C'est quoi un taref? Un taref, c'est quelqu'un, c'est un mouton qui est, donc, comme ce qu'on avait appris dans Khoulid, l'autre faute, qui a une déficience dans le corps, dans le développement, qui fait qu'il est censé mourir dans la prochaine année. Là, il y a un interdit de trefa de le consommer, même si tu le fais shrita et tout ça. Eh bien, si tu transfères la gdusha de l'âne sur un tel mouton, la gdusha n'a pas fonctionné. Et non plus, velo bakilaim, et non sur un croisement, velo bakoy, et non plus sur un koy, qui est une espèce d'animal particulière qui a, Rami m'avait un doute, est-ce qu'il faut le classer parmi les animaux sauvages ou les animaux domestiques? D'accord? Je reviens un mois en arrière, c'était sur le kilaï, parce qu'on va en parler là tout de suite. Je vous ai dit, pas sur une espèce croisée. Le Barthénois nous rapporte que là, quand tu me dis sur une espèce croisée que c'est interdit, c'est-à-dire quand tu vas croiser un mouton avec une chèvre, ou un bouc avec une brebis, ça vient au même. Donc tu fais un croisement entre les espèces des moutons et les espèces des chèvres. Là, la Torah, elle m'interdit, la Mishnah m'interdit de faire un tel croisement. Sur ça, il y a Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Elazar Matir Bekilaim, Mipene Sheousse, Veoser Bakoy, Mipene Sheousafek. Rabbi Elazar vient me dit non, attends, dans les Kilaim, je suis d'accord avec toi. Matir Bekilaim, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans les croisements, je ne suis pas d'accord que tu interdis de racheter. Parce que moi, je pense qu'il faut permettre. Pourquoi Mipene Sheousse? Parce qu'au final, tu as quelque chose qui s'appelle un C, un mouton. Tandis que Veoser Bakoy, tandis qu'il interdit dans les croisements de Mipene Sheousafek, parce qu'il y a un doute, est-ce que c'est effectivement une bête domestique, donc il fait partie de la famille des moutons, ou est-ce que non, c'est un animal sauvage, il fait plus partie de la famille des cerfs. On explique un petit peu mieux ce qui se passe, parce que là, il y a deux choses à gérer. Une simple et une plus délicate. La simple d'abord, c'est l'histoire du koi. Le koi, on le connaît, on l'a déjà rencontré quelques fois dans la Mishnah, on le rencontre très fréquemment. C'était une espèce que Chachamim. Une discussion, le Barthénois rapporte ici que c'est en fait on a un doute sur lui. Est-ce que c'est un mouton? Imaginez, c'est une sorte de chèvre un peu plus agressive, un peu plus sauvage. Et les cornes un petit peu différentes. Et Rami, mais avait un doute. Est-ce qu'il faut le classer parmi la famille des chèvres? Et donc, c'est une espèce domesticable, même si elle est un peu plus nerveuse que les autres, c'est pas grave. Ou bien, est-ce qu'il faut le classer parmi la famille des animaux sauvages, qui ont des alakhot complètement différentes par rapport aux chèvres et tout ça? Et dans ce cas-là, c'est plus du tout de la famille des moutons ni des chèvres. Donc dans ce cas-là, tu ne pourras plus faire le pidion. Et c'est ça ce que Rabbi Elazar vient dire. Moi, je suis d'accord avec toi, Ramim, que tu interdis de racheter sur un koï, parce que le koï, c'est pas évident que ce soit un bon rachat, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle appartient à la famille des C. Bien sûr, je rappelle de nouveau, c'est qu'à condition que tu ne rachètes pas contre la contre-valeur exacte de l'âne. Parce que si tu rachètes contre la contre-valeur de l'âne, tu peux prendre ce que tu veux. Maintenant, on va mettre un petit peu le zoom sur le kilaïm, parce qu'il y a un grave problème. Le kilaïm, c'est quelque chose d'original. Je vous ai dit, il y a deux familles d'ovins parmi lesquelles on peut faire le rachat du Peter Chamor, de l'ouverture du petit anon qui vient d'être le premier-né. Alors, il y a deux familles. La famille des moutons et la famille des chèvres. Vous le connaissez bien. Les moutons, c'est ceux qui font la laine. Les chèvres, ils n'ont pas de laine. Mais par contre, ils ont du lait de chèvre. D'accord? Chacun il a son domaine. C'est deux espèces différentes. Le petit de cette famille. Donc, d'où la question maintenant. Si je vais croiser la famille des moutons avec la famille des chèvres, d'accord? Il y a deux possibilités. Soit un bouc avec une brebis ou inversement. Et ça va me donner un petit croisé qui est un peu mélangé en fait de ces deux familles-là. Maintenant, quelle que soit sa famille, en théorie, ce soit la famille des moutons ou la famille des chèvres, on peut racheter le chamor, on peut racheter l'âne. Alors si j'ai fait un croisement maintenant, maximum quoi, alors il a moitié-moitié, moitié mouton, moitié chèvre, eh bien, en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Si ça fait partie de la famille des moutons, on s'en moque. Ça fait partie de la famille de ce que la Torah l'appelait C. Un C, c'est un mot pour te dire un petit mouton, une petite chèvre, un petit ovin. Bah, ça fait partie de la famille des ovins, au pluriel, enfin au sens plus large. Alors, est-ce qu'on pourra permettre ou non de racheter sur lui? C'est sur ça que Rabbi Elazar vient et te dit, il n'y a aucune raison que tu ne rachètes pas, parce que c'est un ovin. La Torah t'a dit, tu rachèteras sur un ovin, les ovins, ça implique la famille des chèvres et la famille des moutons. Donc il est à moitié-moitié, bah, c'est pas grave. Tandis que Rabbi vont dire, non, la Torah t'a dit, tu rachètes avec un
un ovin, d'accord, c'est le bon mot, le dire pour dire, c'est, ça implique soit l'un, soit l'autre. Mais si c'est un mélange, le hulwed, c'est ni lui, ni lui. Alors ça ne marche plus, d'accord. C'est le principe. Et on continue la Mishnah. Netano la Kohen. Maintenant, nouveau petit sujet. Netano la Kohen. En a Kohen Rachel de Kaimo, Hachi Afrish, c'est Tartav. Il y a une halakha particulière, on traduit d'abord, Netano la Kohen. Au lieu, on avait dit, le petit anon premier-né de l'ânesse qui est né, il devait le racheter sur un mouton. Ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a pris l'âne, il l'a amené chez le Kohen, il lui a dit, je te le fais cadeau, c'est un Peter Chamo. Qu'est-ce qu'il devra faire le Kohen? La Mishnah vient en scène, mais tu sais quoi? Le Kohen, Eno Rachel et Kaimo, il n'a pas le droit de le laisser comme ça chez lui un seul instant. Hachi Afrish, c'est Tartav. Jusqu'à qu'il va tout de suite, devant le Israël qui est venu lui apporter, il devra tout de suite aller chercher un petit mouton pour tout de suite le libérer de la gnoucha. On explique un petit peu mieux la raison de ça. C'est-à-dire, on apprend de là quelque chose de super. On apprend de là que le petit anon, même s'il a une gnoucha, c'est pas la finalité de le donner au Kohen. En réalité, la finalité, c'est juste de le libérer de sa gnoucha sur un mouton et de donner le mouton au Kohen. D'accord? Maintenant, selon ce principe, alors... De quoi je parlais, je me suis perdu un peu, mais c'est pas grave, je reprends. Et il a racheté Je reprends, désolé, c'est l'heure. Netano la Kohen, Enakon Racha il est carrément, Hachi Afrish, c'est Tartav. Ah oui, donc on avait dit, il a pris maintenant le petit anon, il l'amène chez le Kohen. C'était pas la mise à qu'on avait demandé de faire. Toi, t'avais deux solutions. Soit tu le rachètes sur un mouton, tu donnes le mouton au Kohen, soit tu lui brises la nuque. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le petit âne, il l'a amené au Kohen. Bon, alors on va dire, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. A posteriori, tu n'as pas besoin de le reprendre. Mais malgré tout, le Kohen, une fois que ça arrive chez lui, le Kohen, il devrait quand même racheter la sainteté de l'anon sur un mouton et le garder pour lui-même. Jusque-là, tout va plus ou moins bien. C'est clair, c'est logique. La Torah n'a pas donné de solution de donner l'anon au Kohen. Donc l'âne, il faut absolument que, même si je veux le donner au Kohen, il faudrait que le Kohen rachète la Kedusha. La Torah, la Mishnah, elle m'enseigne qu'une halakha plus, le Bartanora nous rapporte de la Gemara en fait, que moi, lorsque j'ai amené ça au Kohen, j'ai pas le droit de bouger de là-bas, jusqu'à ce que je vais voir que le Kohen, il va effectivement racheter la Kedusha. Pour quelle raison? C'est simple. Le Kohen, lui, il aurait tendance à se dire que, ah, que ça peut faire si j'ai pris l'âne, c'est un premier-né, ça me revient au Kohen, allez, je le prends, je le garde et je l'utilise tel quel. On craint que le Kohen, il va se permettre cette permission alors qu'il n'a pas le droit de le faire, et tant qu'on n'a pas racheté la Kedusha, on n'a pas le droit de profiter du chamor, de l'âne, on n'a pas le droit de tirer profit. Dans ce cas-là, interdiction, si tu amènes l'anon au Kohen, qu'il ne fallait pas le faire, eh bien tu devras rester là-bas sur place et attendre que le Kohen, que tu vas voir le Kohen qui va racheter la Kedusha sur le mouton, et seulement après tu pourras rentrer chez toi. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, Natsaha Kol Tov, salam.